nourriture spirituelle pour manger. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pourrez prendre place, peuple de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend mon français? Il n'y a pas beaucoup de oui. Sinon, je vais parler en anglais. Tout le monde comprend français? Oui. Amen. Tu sais, le frère, vous êtes d'Afrique? Quelle place? Congo, Yeshua Zaliawa. Amen. Le Seigneur, il est ici. Yeshua Zaliawa, Yeshua Zaliawa, Yeshua Zaliawa, Nabiso. Si vous êtes en Afrique, vous allez danser. Mon frère, viens, viens, viens. C'est votre femme. Viens, viens. Alléluia. Il va nous montrer la danse. Comment il danse à Congo. Viens, viens, ma sœur. Il ne faut pas être génie, hein? Yeshua Zaliawa. Hein, n'est-ce pas? Jésus, il est ici. Jésus, il est dans ce lieu ici. Jésus est là maintenant. Alléluia. Et vous savez where Jesus is, où Jésus il est, il y a toujours la joie. Alléluia. Il y a toujours la guérison. Amen, amen. Il y a toujours la liberté. Yes, Lord. Vous savez pourquoi? Parce que le ciel rouvre pour nous. Amen. Alléluia. On y va? Yeshua Zaliyawa, Yeshua Zaliyawa, Yeshua Zaliyawa, Nabiso. Yeshua Zaliyawa, Yeshua Zaliyawa, Yeshua Zaliyawa, Nabiso. Yasolo, Alleluia, Alleluia. Alléluia, na Jésus. Anesta, anesta. Mais vous agissez pas comme les Africains qui louent le Seigneur. Alléluia. Moi, je ne danse pas comme ça. Tu danses pas. Oh. Mais tu danses pour Jésus maintenant. Il est là. Et je vais vous montrer. Moi, je suis indienne qui vient dans la Caraïbe. Hein. Et je suis capable de danser africain. Regarde. Ah, ah, ah. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, Jésus, il est parmi nous. Moi, je prêche dans beaucoup d'églises, mais dans chaque église où je vais, dans l'atmosphère, tu peux savoir si le Saint-Esprit est là, si Jésus est là. Il y a certaines églises, Jésus n'est pas là. Mais dans cette église, Jésus est là. Vous savez, l'église est très, très importante pour Jésus. Vraiment importante. Il faut prendre notre église locale à cœur. C'est très important. Vous êtes là? Oui. Jésus, il revient bientôt. Toutes les signes sont là présentement. Notre salut est très, très, très important et très précieux parce que Jésus-Christ, il a payé un prix. Très, 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 très cher pour nous. Mon âme est précieuse pour Jésus. Parce que son corps était brisé pour moi. Je ne suis pas pour vous. Son sang est tellement précieux. Son sang nous guérit, nous délivre. Vous êtes la peuple de Dieu. Son sang nous réconcilier avec Dieu.
Aujourd'hui, je vais apporter une parole pour vous, une parole. Allons plus haut. Allons plus haut. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Plus de volume l'autre. Allons plus haut. Dites à quelqu'un, allons plus haut. Mais sentez la volume, ce n'est pas haut. Allons plus haut, mais la volume n'est pas haut. Nous allons aller dans Matthieu 16, verset 18 à 19. Et je vais demander quelqu'un pour lire la parole pour moi, s'il vous plaît. Un, deux, je vais lire la parole. Il faut l'afficher sur l'écran, s'il vous plaît. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. On va juste arrêter là pour quelques minutes. Il dit quoi? Je te donnerai les clés du royaume. Quand nous avons la révélation, qui est Jésus? Vous êtes là? Pas un Jésus religieux. Un Jésus qui est vivant. Alléluia. Et il dit, parce que Pierre, il a eu la révélation, qui est Jésus? Est-ce que vous avez une révélation vraiment? Qui est Jésus? Si tu as cette révélation, qui est Jésus? Oh mon Dieu, tu veux tellement tomber en amour avec Jésus que tu veux résister le péché parce que tu ne veux pas décevoir ton Dieu. Alléluia. Et c'est quel clé il veut donner du royaume? C'est quoi le clé? Il dit, il y a un clé. C'est l'autorité. Vous êtes là? L'autorité et la puissance de Dieu. Parce que nous avons quelqu'un qui est jaloux. Il est jaloux de le peuple de Dieu. Et il vient pour nous tenter. Mais quand il vient pour nous tenter, il faut savoir comment résister. Est-ce que c'est vrai? Hein? Comment résister le péché? Parce que tu passes à la prix que Jésus, il a payé pour nous. Et tu dis, je veux faire tout pour faire plaisir à mon Dieu, parce que j'aime mon Dieu. Amen. Alléluia. Un bâtiment est utilisé pourquoi? Il y a toujours un but. Est-ce que c'est vrai? Nous avons ce bâtiment ici, et le but de ce bâtiment, c'est pour accueillir le peuple de Dieu, pour louer le Seigneur. Et pourquoi louer le Seigneur? Pourquoi on lève nos mains? Pourquoi on chante? Pourquoi on dit glorifie? Le mot glorifie, ça veut dire de se lever la réputation de Jésus-Christ. La réputation de Jésus-Christ dans ma vie, c'est très important. Pour ça, tout le monde dit, on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir la gloire de Dieu. Mais on veut l'aimer tellement notre Seigneur qu'on veut vivre dans la justice pour notre Dieu. Il n'y a pas beaucoup de amen. Est-ce que vous comprenez mon français? Ah, c'est bien. Amen. Alors, l'Église a une grande importance pour Jésus. Amen. C'est très important quand nous avons une église locale. Aujourd'hui, on va dire l'église universelle, mais aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'église locale. Amen. Quand tu vas aller au ciel, si moi, j'ai mort deux fois. Une fois, j'ai été vers l'enfer et Jésus m'a montré c'est quoi l'enfer. L'enfer? Jésus m'a montré. Et la deuxième fois, j'étais au ciel.
Vous savez, peuple de Dieu, moi, la première fois, quand j'ai mort, avant de mourir, le Seigneur m'a montré, c'est comme une télévision, tous mes péchés. Tous mes péchés non repentis. Non repentis, c'est le bon mot. Tous mes péchés. La repentance, c'est très important pour toi. Pour moi, c'est très important. Comment tu peux savoir que tu es rempli avec le Saint-Esprit? C'est pas ha ha ha, ho ho ho, hi hi hi, tchik tchik. Vous êtes là? C'est bon. Mais quand tu es rempli avec le Saint-Esprit, le moment que tu fais un péché ou tu fais une erreur, le Saint-Esprit donne la conviction tout de suite. Et tu veux demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas briser ta relation avec ton Dieu. C'est simple, l'évangile. Hein? Parce que notre relation avec Jésus, c'est très, très, très important. Amen. Alléluia. J'ai juste parlé, je n'ai pas prêché. Amen. Qu'est-ce que ça coûtait à Dieu pour former un homme puis une femme dans le jardin de Éden? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau argile, de boue, et il a soufflé dans la narine et ils sont venus un être. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça coûtait Dieu pour choisir un peuple, le peuple juif? Il a dit à Abraham, Abraham, moi je suis grandi dans une famille indienne qui a servi beaucoup des idoles. Et quand Dieu voulait m'a sauvé, moi je ne savais pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi, je ne connaissais pas Jésus. J'ai venu ici au Canada, j'avais 17 ans, je viens dans un petit village, et quand j'arrive ici, c'est dans une grande ville. Et nous, les parents indiens et les filles indiennes ont habillé respectivement. Vous êtes là? Oui. On ne monte pas notre bam-bam. On ne monte pas notre... Vous êtes là? Oui. Mais quand je suis venu ici au Canada, oh my God! J'ai dit, God, Dieu, je suis dans l'enfer ici. Vraiment, sérieusement, j'ai dit mon cœur, hein? Je vois les femmes habillées en shorts, toutes leurs zizanies, zizines, d'eau. J'ai dit, oh mon Dieu, ça c'est grave ça ici. Hein? J'ai dit, le monde il est fou dans ce pays-là. C'est vrai. Et là, quand j'ai rencontré Jésus, Jésus m'a rencontré. Là, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas habiller comme les Québécoises, hein? Excuse-moi. Vous êtes fâchés avec moi? J'ai dit, je ne veux pas habiller comme les Québécoises. Hein? Je veux rester telle qu'elle. Je ne veux pas les hommes, ils voient mon derrière. Ils font, ah, ah, ah. Non, non, non. Vous êtes là, peuple de Dieu? La parole de Dieu dit, habillez modestement. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hein? Alors, dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1, à toi. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alléluia! Vous êtes là? Il dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta religion. Vous êtes là? Peut-être vous êtes ici ce soir, ce matin, et Dieu est en train de parler avec vous. Sors de ta culture, sors de les idoles, sors de ta religion, sors de la péché. J'ai besoin de toi. Je veux te faire toi une grande bénédiction pour toutes les nations. Alléluia.
pour toutes les nations. Pas juste pour ton pays, pour toutes les nations. Et quand on vient à Jésus, peuple de Dieu, Jésus nous bénit tellement, tu ne peux pas exprimer la bénédiction de Jésus. Et Abraham, il doit laisser tout. Mais il ne savait pas où il s'en allait. Est-ce que c'est vrai? Dieu il dit, va-t'en de ton pays. Aujourd'hui, Dieu il parle avec vous. Sors de ta religion. Sors de ta coutume. Tu as attaché à ton culture. Sors de ça. Je veux te toucher aujourd'hui. Je veux te bénir aujourd'hui. Mais seulement si tu es attaché à ton Dieu. Amen. Alléluia. Alors, à cause d'un seul homme, Dieu a choisi une nation. C'était les peuples juifs. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Qu'est-ce que ça t'a coûté à Jésus pour vous sauver? La vie de la Dieu Tout-Puissant qui est venu en chair sur cette terre pour mourir sur la croix, verser son sang, son corps était brisé pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous libérer. Est-ce que c'est vrai? Il a payé un prix si grand pour mon âme qu'il ne veut pas que mon âme soit affectée par les choses dans ce monde, par les pensées du monde, par le péché du monde. Il a payé un prix si précieux pour nous. Comment je peux briser ma relation avec mon Dieu? Comment? Seulement si on ne comprend pas c'est quoi le péché. Puis on ne comprend pas la croix de Jésus. On ne comprend pas la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il m'a pris devant des milliers d'idoles, devant une culture très, très religieuse. Et il m'a libéré. Comment je peux décevoir mon Dieu? Comment je peux pécher contre mon Dieu? Et c'est quoi le péché? Tu dois apprendre c'est quoi le péché. Qu'est-ce que Dieu l'aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. L'évangile est si facile. Parce que si on ne connaît pas qu'est-ce que Dieu l'aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, on va être séduit. Est-ce que c'est vrai? Et nous sommes dans un temps où Dieu est en train de choisir le peuple. Et il dit, cela, il est stable. Cela, il sait comment persévérer. Cela, il sait, il a détermination. Cela, je peux l'utiliser pour gagner des âmes pour moi. C'est Jésus qui nous sauve, mais il doit utiliser nous sur cette terre pour aller porter la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Il est venu pour guérir nous physiquement, mentalement, spirituellement, psychologiquement. C'est la nouvelle de l'Église aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre nouvelle. Si la nouvelle de TVA vient puis demande quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que moi je veux dire? Jésus-Christ, il est venu pour donner la bonne nouvelle. Mais toi, tu es venu pour donner la mauvaise nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour nous guérir psychologiquement, spirituellement, physiquement. Et je suis une preuve que Jésus guérit. Hallelujah!
Gloire à Jésus. C'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, le sang de Jésus est si précieux. Si précieux. Prendre pour le sang de Jésus, pour acquis. Le sang de Jésus nous protège, nous lave. Le sang de Jésus nous donne alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Et quand tu connais ton alliance, tu ne veux pas salir cette sang. Est-ce que c'est vrai? Je veux glorifier mon Dieu. Tant que je vis sur cette terre, c'est pour glorifier Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez mon témoignage. Moi, j'étais en chaise roulante pendant un an de temps pour capable marcher, pour capable utiliser mes mains, pour capable évacuer dans la toilette. Je l'avais une sonde, je l'avais un gavage, je l'avais un trachéo, je l'avais quelque chose pour filtrer mon sang. Ma vie, c'est un miracle pour glorifier le Seigneur. Le docteur dit, jamais je vais marcher. C'est sur le rapport, jamais je vais marcher. Mon cerveau, mort. J'ai trois doctorats, psychologue, psychothérapeute et doctorat pour conseiller. J'ai tout perdu. Mes amis, la vie est fragile, très fragile. Il ne faut pas perdre votre temps. Il ne faut pas perdre votre temps. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Vous savez, mon enseignement, mon prêche, c'est sur le royaume de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous dirige, n'est-ce pas, peuple de Dieu? Amen. Vous savez, dans le royaume de Dieu, si vous êtes dans le royaume de Dieu, Dieu nous a donné un commandement. C'est pour amener le royaume de Dieu sur cette terre. Maintenant, ce n'est pas pentecôtiste, baptiste, catholiste, hindouiste. Il n'y a pas d'isme maintenant. Maintenant, c'est le royaume de Dieu dans notre cœur et le royaume de Dieu sur cette terre. Alléluia! Gloire à Jésus. Nous allons aller dans le livre de Matthieu 16, verset 14 à 20. Matthieu 16. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Anesta. Jésus, si on lit verset 13 et tout ça, Jésus, il dit à ses disciples. Jésus. Qu'est-ce que l'homme, il passe, j'y suis. C'est ça? C'est bien ça? Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il demande ça à ses disciples. Hein? Vous êtes là? Il posait cette question à ses disciples. Parce qu'il voulait que ses disciples connaissent son identité. Vous êtes là? Chaque fois que tu dis, oh Seigneur, tu es en train de dire à Jésus, tu as le contrôle de ma vie. Jésus, il aime ça quand quelqu'un connaît son identité. Vous êtes là? Mais si tu dis Jésus. Non, il faut que tu connaisses l'identité à Jésus. Jésus, c'est celui qui nous libère. Il est celui qui nous guérit. Et regarde, il demande qu'est-ce que le Fils de l'homme et après? Ils répondirent, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Anesta. Si c'est un hindou qui n'est pas converti, qui lit ça, il va passer ses réincarnations. Vous êtes là? Si on ne comprend pas la parole, allez-y, Lina, s'il vous plaît. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ah! Vous êtes là? Et vous, leur dit, qui dites-vous que je suis?
Ah, si je demande à mon mari, qui je suis? Oh oui. Oh, il dit, je suis son épouse. Il réalise, il a marié avec moi. Vous êtes là? Je veux que vous lisez chaque parole pour avoir la révélation. Parce que Jésus nous amène dans une autre dimension, son Église. Amen. Il aime son Église. Tu dis, mais il n'aime pas ce bâtiment. Il aime qu'est-ce qu'il y a dans le bâtiment. Amen. Mais il faut un bâtiment pour rassembler ensemble, n'est-ce pas? Alors, le bâtiment est important aussi. Nous sommes importants aussi. Est-ce que c'est vrai? Allez-y, Linda. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Un instant. Il dit à Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que vous avez une révélation vraiment qui est Jésus? Mais il a dit à Pierre, quand il a eu la révélation à Simon, heureux! Si tu connais Jésus aujourd'hui, et tu as une révélation qui est Jésus, tu dois être heureux. Yes. Tu dois être vraiment joyeux. Oh, yeah. Alléluia. Parce que tu connais Jésus. Alléluia. Tu connais l'identité de Jésus. Tu sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nous libérer, pour nous guérir. Alléluia. Pour reprendre son amour dans nous, pour aller partager la bonne nouvelle. Et nous sommes joyeux. Malgré la tribulation. Malgré les épreuves. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes joyeux dans nos épreuves. Alléluia. Allez-y, Linda. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia! Si tu es, mes amis, vous avez une révélation de cette parole? Hein? Oh, alléluia! Si tu as une révélation de Jésus, tu vas être solide. Même si le diable vient, il ne peut pas te frapper. Mm-hmm. Tu fais comme ça, il frappe. Vous êtes là? Tu lèves tes pieds et sous tes pieds. Est-ce que c'est vrai? Le diable ne peut pas rien faire avec nous. Il faut essayer. Mais nous avons la clé du royaume de Dieu. C'est quoi la clé? C'est l'autorité et la puissance de Dieu. Amen. Tu sens une petite douleur dans ton corps. Tu cours pour le pasteur pour prier pour toi. Non! Prends l'autorité toi-même. Parce que tu es un enfant du royaume. Alléluia. Quelqu'un dit, j'aime Jésus. Non, plus fort. Alléluia. Tu sais, juste tu dis, j'aime Jésus et tu dis la parole fort. Ça veut dire délivrance. Amen. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, Jésus-Christ, il est notre rédempteur. C'est Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec Dieu. Peut-être tu sais dans ta tête, mais pas dans ton cœur. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Il est notre rédempteur, il est notre roi. Il est notre tout-puissant, il est notre ami. Il est le Dieu Tout-Puissant qui dit, « Toi, je te choisis pour aller porter la bonne nouvelle. » Et Satan, il ne peut pas te toucher. Mm-hmm. Alléluia. Mm-hmm. Nous sommes plus que
Vainqueur. Dites-le encore plus fort. Il y a quelqu'un ici, tu ne peux pas dormir. Tu sur ton lit et tu tournes, tu penses. Est-ce que tu sais, Jésus, il sait tout ce que tu penses? C'est vrai. Alors, il faut que tu prennes la parole et dis, je pense sur les choses qui sont vraies, yes. Ce qui est glorieux. Yes. Dans le livre des Philippiens, vous êtes là? Yes. Tu ne peux pas dormir parce qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose et tu tournes, tu passes à cette parole. Passe à la parole de Dieu. Yes. Alléluia! C'est très important. Jésus, qu'est-ce que ça symbole un cli? Le Seigneur, il dit, il va nous donner les clés de le royaume. Qu'est-ce que ça signifie un cli? Confiance, l'autorité. Si Pasteur Linda, elle m'a donné le cli pour sa maison, ça veut dire qu'elle fait confiance à moi. Est-ce que c'est vrai? Amen. Mais la clé du royaume, c'est encore plus puissant que ça. Il a donné le cli pour chasser les démons. La clé pour guérir les malades. Nous avons plusieurs clés de le royaume, clés de l'autorité, clés de confiance. Mm-hmm. Alléluia. Il fait confiance à celui à qui il a choisi. Amen. Alléluia. Et comment je vais trahir mon Dieu? Tu sais, j'ai un enseignement dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs différents animaux et de reptiles. Il y a le bouc, il y a le loup, il y a le serpent, il y a Judas, il y a Jézabel. Vous êtes là pour le Dieu? Tu trouves toutes sortes dans l'église. Mais il faut veiller et prier. Est-ce que c'est vrai? Si on voit un problème, puis on commence à parler de le problème, qu'est-ce qui arrive? Ça entraîne plus de démons. Je vais donner le principe du royaume de Dieu maintenant. Nous allons aller dans Matthieu 6, verset 31 et 34, parce que le temps passe vite. Nous avons des valeurs et des principes dans le royaume de Dieu. C'est différent de la valeur du monde. Différent de le principe du monde. Québec, écoutez Québec. Jésus-Christ t'a choisi. Et il y a un réveil qui vient, mais premièrement dans l'église. Ça prend la repentance. Le pardon, c'est pour nous. La repentance, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Souvent, pardon. Vous êtes là? La pardon, c'est pour moi. Si je fais quelque chose, je blesse mes frères et sœurs. Moi, je ne sais pas, je parle aujourd'hui, peut-être je blesse quelqu'un avec la parole de Dieu, peut-être. Mais je ne sais pas à qui je blesse. Si tu viens et tu dis, ma sœur, tu m'as blessé, hein? Je veux demander pardon. Vous êtes là? Mais pourquoi Jésus, il a dit à Pierre de pardonner combien de fois? Combien de fois? Si Pierre, il n'est pas pardonné, Jésus, il ne peut pas utiliser lui. Il faut la révélation dans la parole de Dieu. Hein? Le non-pardon dans notre cœur, c'est comme si un tuyau est bloqué. Tu vois, de l'eau, il ne peut pas couler. Et après, tu vas sentir sec, tu vas sentir le Seigneur, il n'attend pas, ça. Allez veiller sur ton cœur. Demandez le Saint-Esprit pour aider. Il ne faut pas bloquer les eaux vives. Amen. Alléluia. Alors, le pardon, c'est pour toi. C'est pas pour les autres. C'est pour purifier notre cœur. Parfois, mes amis, quand nous sommes dans le ministère, on fait face à toutes sortes de choses. Est-ce que c'est vrai? Hein? Toutes sortes de choses. Et je dis le Seigneur, je dis, Père, prends ta main et arrache tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Arrache, parce que
Je suis impuissant devant cette situation. Mon cœur, je ne sens pas mon cœur est bien, arrache parce que je veux le Saint-Esprit coule plus dans ma vie et porter plus de fruits. Je veux que ma racine soit profonde. Alors quand le vent il vient, je vais faire juste comme ça, ou comme ça, comme ça, comme ça, mais je ne brise pas. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, on y va. Matthieu 6, 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Un instant. Il dit, ne pense pas qu'est-ce que tu vas manger le lendemain. Est-ce que c'est vrai? Ne pense pas comment tu vas habiller. Vous êtes là, qui fait des soucis? Il y a les gens qui font des soucis ici. Comment je vais arriver avec l'argent? Qu'est-ce que je vais faire demain? Si vous êtes comme ça, c'est la pensée du monde. Ce n'est pas la pensée du royaume. Est-ce que c'est vrai? Je veux dire quelque chose. Je donne un petit témoignage. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai resté 8 mois entre 4 murs. 8 mois. Et financièrement, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et le Seigneur m'a dit, Casey, ne fais pas de soucis. Quand tu vas sortir ici, je vais te bénir. Mais il va me bénir financièrement. On avait notre église, notre maison. J'ai sorti de l'hôpital. Le premier lundi, il y a quelqu'un qui a envoyé un chèque pour moi de 25 000 $. On avait besoin de changer le chauffage. Et Dieu a envoyé l'argent pour nous. Ça, c'est le peuple du royaume de Dieu. Vous êtes là? Amen. Une autre fois, on était chez le comptable. Il y a une femme qui est assise, un pasteur devant nous. Elle dit, j'ai à cœur de donner 5 000 $. Mais le 5 000 $, c'est pour toi. On avait besoin vraiment d'argent. Mais Dieu seul, il sait. Est-ce que c'est vrai? Amen. Quand c'était le COVID, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole ici. C'était le COVID, peuple de Dieu. L'église était fermée. Il y a une femme qui nous a téléphoné. Je ne connaissais même pas cette femme. Elle dit, mais moi, je connais. Elle m'a vue une fois. Elle dit, Dieu m'a parlé. Elle dit, je veux avoir un rendez-vous avec toi. J'ai donné l'adresse de notre église dans mon bureau. Elle est venue dans mon bureau. Elle dit, Dieu m'a dit de donner 3 000 $. Elle a signé un chèque. 3 000 $. Vous êtes là? Amen. En plus, elle a fait une liste. Toutes les missions et tout ça, j'ai fait. Elle dit, l'église, il doit tant l'argent. J'ai dit, oh, j'étais riche, puis je ne savais pas. Vous êtes là? C'est même dans le royaume de Dieu. Dieu, il ne veut pas en faire de soucis. On vient déprimé, on casse la tête. Ça peut arriver parfois, mais quand on parle avec quelqu'un du royaume, il veut nous encourager. Est-ce que c'est vrai? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Continue, Linda. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Un instant. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire maintenant, c'est priorité dans notre vie. Souvent, nous n'avons pas de priorité dans notre vie. Est-ce que c'est vrai? La première chose, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu.
Et la deuxième chose est la justice de Dieu. Alléluia. La justice de Dieu, peuple de Dieu, ça veut dire il faut chercher la paix. Est-ce que c'est vrai? Il faut apprendre qu'est-ce que Dieu l'aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Tu vas trouver ça dans le livre de Galates. Tu sais, notre plus grande bataille, ce n'est pas avec le diable. Lui, là, on est dans le royaume, il est là. Juste une bataille et c'est fini, là. Au nom de Jésus. Est-ce que c'est vrai? Parce que je n'ai pas alliance avec lui. Qu'est-ce qu'il fait à côté de moi? Hein? J'ai alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Pas avec lui. Une fois, j'ai dit à Jésus, j'ai lu dans la parole de Dieu quand Jésus était à Syrie et il guérissait les malades, chassait les démons et tout ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai lu que tu chassais les démons avec une seule parole. Je veux connaître cette parole. C'est vrai, quand tu lis la parole de Dieu, tu as tellement de révélations. Moi, quand je lis la parole de Dieu, parfois, quand je passe à l'amour de Jésus, il faut que je mette la Bible à côté puis commencer à pleurer. Et je pleure. Son amour est tellement grand. Et il a tellement de choses pour nous enseigner. Et mes amis, qu'est-ce que Dieu il veut pour nous encore? Il veut qu'on obéisse. Obéir, ce n'est pas un sens religieux ou légalistique. D'obéir Dieu parce qu'il veut nous bénir. Il veut nous utiliser sur cette terre pour son royaume. Alléluia. Pour son royaume. Donne-moi sang maintenant, peuple de Dieu. C'est pour le sang de ma mère et mon père. C'est le sang de Jésus qui coule. Le sang royal. Royal. Amen. Qui coule à moi. Alors, quand l'ennemi vient à côté de moi, je dis, hey, Satan, Dieu, il m'a dit, il va utiliser les méchants pour me bénir. Alors, va chercher tes disciples avec tout leur argent et tout ce que j'ai besoin. Dépose-le entre mes mains. C'est vrai. Parce que Dieu, il dit, il faut utiliser les méchants pour nous bénir. Est-ce que c'est vrai? Pour bénir qui? Son peuple du royaume. Amen. Quand les Israélites, Dieu a envoyé Moïse pour libérer de l'esclavage. Vous êtes là? Qu'est-ce que les Israélites ont fait avant d'être libérés? Ils étaient chez les voisins, les païens, et demandaient pour l'or. Est-ce que vous avez lu tout ça dans la parole de Dieu? Ils demandaient pour l'or, pour l'argent, pour vêtements, pour tout. Et ils donnaient, ils l'ont tout pris, puis ils sont partis avec quelque chose. Et toi, tu dis, oh, il ne faut pas prendre l'argent sale. Sale, je ne prends pas, apporte-le dans le royaume de Dieu. C'est vrai. Il faut maintenant passer royaume de Dieu. Amen. Il faut passer, nous sommes des rois et des princes et des reines. On travaille avec Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. On continue, peuple de Dieu. La deuxième chose, il parle de justice, hein? De justice. La justice, c'est quoi? De vivre droit pour Dieu. Vous êtes là? Vivre droit pour Dieu. Apprendre qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas de médisance. Vous êtes là? Dieu n'aime pas le peuple qui plaigne tout le temps. Oh, ici au Québec, c'est plein, hein? Vous êtes là? Oh, je ne mange pas la partie chinoise, j'aime bien manger spaghetti. Tu peux choisir, hein? Hein? Va aux Zen, tu ne peux pas choisir, hein? Vous êtes là? Mais ici, nous sommes bénis. Mais faire attention. Faire attention. Parce qu'il y a tellement de péchés sexuels dans le Québec que quand Dieu, il est décidé pour tirer le tapis, tu vas être dans un état terrible. La péché sexuelle, ça fait des dégâts, peuple de Dieu. Adultère, fornication. Tu négliges l'alliance de Dieu. Tu négliges pour faire alliance aussi. Dans une alliance, il y a plein de promesses. Est-ce que c'est vrai?
Vous êtes fâché avec moi? Tu vas à Haïti aujourd'hui? Vous voyez l'état d'Haïti? Haïti? Dans toutes les îles. Avant, c'était des îles très riches. Venezuela, c'était très riche. Hein? Aujourd'hui, regarde le pays là, il est venu pauvre comme des pauvres. Pauvre, pauvre, pauvre. Pourquoi? À cause du péché sexuel. Même dans les églises. L'église est supposée être la lumière du monde. Est-ce que c'est vrai? C'est la raison pour laquelle vous priez pour le réveil. Est-ce que c'est vrai? Ah. Faire attention. On prie pour le réveil. Mais priez pour un réveil pour moi-même. Alléluia. Pour moi-même. Jugez moi-même avant le juge descende. Vous êtes la peuple de Dieu. C'est très, très important. Hein? Dieu m'a donné ce message pour donner à le monde entier. Et je dis, Seigneur, je vous fais beaucoup des ennemis. Mais ce n'est pas grave, Jésus, c'est mon ami. Il y a la troisième chose. Tu peux lire. Cherche, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu nous a donné une promesse quand on cherche son royaume. Il pourvoira pour tous nos besoins. Amen. Mais si on fait de l'inquiétude, ça veut dire tu manques la foi. Tu fais de l'inquiétude. Moi, j'ai grandi dans une famille, dans un petit village. C'était un temps d'esclavage où ils étaient chercher les peuples indiens aux Indes. Ils étaient chercher les peuples plus riches et plus éduqués là-bas. Quand ils arrivaient à Trinidad, ils chassaient le peuple dans la sugarcane. Dans la canne à sucre, pour couper la canne à sucre. Toutes sortes de choses comme ça. Ils ne t'ont pas habitué, ils t'ont dissu. Vous êtes là? Mais toute la génération est grandie avec cette mentalité de l'inquiétude. Et quand je suis venue au Seigneur, je dois couper tout cet esprit générationnel de quitter ma vie. De temps en temps, ça revient. C'est l'esprit familier. Mais je chasse ça au nom de Jésus. Il faut prendre l'autorité, peuple de Dieu, sur nous-mêmes. Amen. Nous allons aller dans le livre de Romains 14, versets 17 à 20. Nous allons finir dans quelques minutes. Alléluia. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ah, on va rester là. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, par qui? Par le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit, est-ce que c'est vrai? Le Saint-Esprit nous aide, est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, c'est votre journée de délivrance. Aujourd'hui, vous allez marcher avec le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi les disciples étaient baptisés avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Est-ce que vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit est venu pour débarrasser tout ce qui est culturel, coutume, toutes sortes de choses comme ça, afin qu'ils rentrent dans le royaume de Dieu. Amen. Et les disciples faisaient les miracles extraordinaires. Pour moi, miracle, c'est normal. Parce que nous faisons des missions dans plusieurs pays et on voit des miracles. C'est normal. Pour un chrétien, des miracles, c'est normal. Vous êtes là? C'est normal. Tu vas quelque part, tu n'as pas besoin de chasser les démons et tu transpires, toutes sortes de choses arrivent
il faut que tu réalises que tu as la puissance de Dieu dans ta bouche. Alléluia. Et quand tu dis, au nom de Jésus, je brise ton alliance, Satan, ça doit briser. Alléluia. C'est très important. Je l'ai vu, peuple de Dieu, des miracles avec mes yeux. Moi-même, quand j'étais malade, une an au lit, incontinence, je remercie le Seigneur pour mon mari, c'est lui qui m'a nettoyé toujours. Tout, il fait ça pour moi. J'ai béni le Seigneur. Mais mes amis, j'étais sur le lit, à rien bouger, à rien. Quand je dis à rien, même pas un doigt comme ça, à rien. Il faut que j'apprenne comment lever un sou dans la physiothérapie et tout ça. Il faut que j'apprenne comment lire. Il faut que j'apprenne tout. Il faut que j'apprenne comment parler. Tout. Et moi, j'étais là. Je dis, Seigneur, je vois les sourds attendre. Je vois les muets parlent. Je vois les aveugles voir. Je vois les boiteux marchent. Mais moi, je ne peux pas rien faire. J'ai besoin de miracles. Je vois des miracles comme ça. Mais pour moi, c'est rien. Rien arrive maintenant. Et ça ne fait pas longtemps. Je dis au Seigneur. Je dis, Seigneur, pourquoi ça arrive avec moi? Il m'a dit qu'ici, je dois mettre toi au lit pour parler avec toi. Parce que j'ai beaucoup de choses que tu dois donner à mon peuple. Et pendant 7 ans, peuple de Dieu, dernièrement, le Seigneur m'a parlé. Il dit que ici, tu sais, tu l'aimes tellement l'Église, tu l'aimes tellement le peuple, que tu mets le peuple avant moi. Quelqu'un besoin d'aide, tu cours, même si c'est minuit, tu vas courir pour aller aider. Et toi, tu passais, c'est à mon amour. Non. Il faut que tu laisses les gens vivre leurs épreuves pour me connaître. Laisse-les vivre leurs épreuves. Et maintenant, mes amis, quand le Seigneur m'a parlé comme ça, repentance, changement, tout. Je suis changée. Le Seigneur m'a façonné. Et il continue encore. Si vous voulez être baptisé avec le Saint-Esprit, Dieu, il veut te toucher aujourd'hui. Fais beaucoup de soucis, maman. Hein? Le Seigneur, il veut te toucher aujourd'hui. Si vous voulez lever, parce que je dois aller pour prêcher dans notre église, nous allons lever debout. On va demander aux musiciens, s'il vous plaît, d'avancer. Amen. Pasteur Linda, merci beaucoup. Les musiciens, s'il vous plaît, vous avancez. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Lèvez vos mains et commencez à remercier le Seigneur parce que tu es dans le royaume de Dieu. Amen. Lèvez nos mains. Tu sais, le Saint-Esprit est là pour vous. Baptisez maintenant. Le Saint-Esprit va tomber sur vous maintenant. Alléluia. Korabakata rabashanda rabakorabasaya. Commencez à prier en esprit et en vérité. Yerabakata rabashanda rabakorobosikiriya labashando. Alléluia, Jésus. Alléluia, Kiria Labashanda Rabakura Basaya. Seigneur, touche ton peuple maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le touche de Dieu. Reçois le Saint-Esprit sur vous maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kori ala bashanda raba koro bol sikiri ala bashanda. Hallelujah. Hallelujah. You're very hungry for the Lord. Lord, touch him.